Bon, vous êtes un peu de travers, mais c'est pas grave. Et je disais du coup aussi, il faudrait que aujourd'hui je fasse un peu de montage pour la vidéo qui est censée arriver mercredi. C'est en fait un peu le vlog de mes vacances. Donc ça va être une vidéo assez rapide, je pense, mais j'ai vraiment envie de vous montrer un peu. D'ailleurs, vous allez peut-être le voir ou pas à la caméra, mais j'ai les lèvres archi gercées, vraiment, genre. Et je commence à être malade, mais en fait, c'est à cause des températures qu'il y avait là-bas et de la clim. En fait, on avait presque 40 degrés tous les jours. Vraiment, c'était. Je suis pas habituée à la chaleur comme ça. Il faisait vraiment très très chaud, c'était très lourd. Parfois, c'était presque pas supportable en fait, tellement il faisait chaud. On essayait de faire toutes les activités le matin, en fait, toutes les visites le matin, etc. Mais il y avait des visites, bah, on était obligé de les faire l'après-midi parce que bah, voilà, on n'avait pas assez de matinée pour pouvoir les faire. Et en fait, on avait des cars climatisés. Le bateau, là où on était, tout était climatisé. Donc en fait, on avait à chaque fois des chauds, froids. Et du coup, bah voilà, j'ai le début d'une angine, j'ai le nez qui coule, et puis bah, bien sûr, ça va jusqu'à dans les oreilles. Tisane au thym et menthe poivrée, on y va. Hein. J'avais pas de baume à lèvres, du coup, enfin si j'en avais un, mais je pense qu'il devait plus être bon parce qu'il m'a piqué les lèvres. Pourtant, ça fait moins d'un an, mais peut-être que c'était 6 mois celui-ci après ouverture. Donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo sur mon voyage vous a plu. À l'heure où je vous parle, je ne l'ai même pas encore montée, mais à l'heure où vous voyez la vidéo, normalement, vous l'avez déjà vue. Sauf si vous êtes en retard. N'hésitez pas à aller la voir si jamais. Et voilà. Donc, c'est parti dans cette journée. J'ai pas mal de choses à faire. J'aime bien les journées comme ça. Donc, c'est parti, je vous emmène. Du coup, la première étape, ça va être de débarrasser mon petit-déj parce que ça fait 1 heure que mon petit-déj est là en plomb. Et après, je vais faire mes sacs et ma valise. Et ma valise, par contre, je vais pas la ranger parce que j'aimerais dedans mettre toutes mes affaires d'été que je suis sûre de pas porter en hiver dedans, comme ça avoir plus de place dans mon armoire parce que j'ai pas. Mais il est taré! Non, est-ce que vous. Vous voyez que j'ai bronzé ou pas? Vraiment, la caméra, on voit pas. Mais je vous jure, j'ai bronzé un petit peu. Le visage, c'est pas le plus parce que j'avais toujours ma casquette et mes lunettes de soleil. Mais mes bras, attendez. Non, clairement, j'essaie de vous montrer. On voit rien du tout à la caméra. Mais j'ai bronzé un tout petit peu. D'ailleurs, j'avais pris la crème solaire de chez Aromazone en indice 50. Vous savez, là, 100% naturel, sans produits mauvais pour notre santé et pour l'environnement. Et franchement, elle est top. Elle colle pas, elle rend pas la peau blanche et tout. Elle est vraiment géniale. Si jamais vous cherchez une bonne crème, mais vraiment, quand je vous dis bonne crème, c'est pas les trucs de pharmacie où au final, dedans, il y a 15 000 ingrédients et des perturbateurs endocriniens, etc. Prenez celle de chez Aromazone, elle est top. Moi, on en dit 50 parce que je suis blanche comme un vampire et que je crame et que après je suis rouge comme un calamar, comme un homard. Franchement, elle est top. Je vous la conseille.
Du coup, ma caisse de décoration d'Halloween, c'est celle-ci. Donc, il y a quand même des petites choses. J'ai rien racheté cette année. Pour l'instant, j'ai rien racheté cette année bah, parce que avant que je parte, bah, il n'y avait pas encore les décos d'Halloween en magasin, sauf chez Action. Mais j'étais pas du tout dans le mood, donc j'avais pas envie d'acheter des décos d'Halloween. Et là, en fait, j'ai vu que bah, au moment où on est parti en vacances, en fait, Action a commencé à sortir ses décos de Noël. Oui, on était après le 16 septembre, un truc comme ça. Et ils ont déjà sorti leur déco de Noël. Fin... Et j'ai vu aussi, on m'avait dit avant que je parte, donc ça remontait à début septembre. Centraccord avait déjà commencé à bloquer les rayons pour faire leur rayon de Noël en fait. Donc je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les décos d'Halloween, la prochaine fois, on les aura au mois d'août. Enfin, c'est vraiment de plus en plus. Les décos de Noël. C'est vraiment de plus en plus tôt, j'ai l'impression. Plus les années passent et plus ils sortent en avance. Je sais pas. Je me rappelle qu'au début, les premiers qui sortaient, c'était Action. Ça a toujours été très tôt. Mais là, même les autres magasins commencent à s'y mettre très tôt. Donc, je sais pas si c'est dans ma tête ou si ça a toujours été comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt. Donc, pour l'instant, en déco d'Halloween, j'ai rien racheté. Parce qu'en plus, déjà, j'ai beaucoup plus de plantes que l'année dernière. Je pense. Donc, ça veut dire moins de place. Donc, pour l'instant, ça sert à rien d'acheter des nouvelles décos. J'ai déjà voir ce que j'ai et ce que je fais avec ce que j'ai. Et si jamais j'ai envie d'en acheter, on verra, mais je pense pas. Je pense que les prochaines décos que j'achèterai, ce sera à Noël parce que l'année dernière, j'avais acheté beaucoup plus d'Halloween que de Noël. Et du coup, je pense que cette année, je compléterai un peu dans mes décos de Noël, du coup. Et bah voilà, du coup, je vais commencer avant de sortir les décos. Je vais laver et tout par terre, bien faire le ménage partout pour pas mettre des décos là sur des endroits où il y a peut-être un peu de poussière, même si j'avais fait tout avant de partir, je préfère tout bien refaire nickel avant de poser mes décos. Donc voilà, je vais faire ça et ensuite on met les décos d'Halloween. Donc j'ai tout mis là. Donc, du coup on a ça. Donc j'ai quand même quelques petits trucs à mettre. Je vais essayer de toujours trouver une place. Là dans cette boîte là on a des choses qui font un peu plus automne que Halloween. Pareil donc du coup principalement ça vient de chez Action. Jiffy et la foire fouille, si je me trompe pas. Surtout Action et la foire fouille. S'il y a des choses en particulier que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai. Bien sûr, il y a un gros chat juste devant. Mais voilà, donc, je vais déjà essayer d'aller installer ça et puis je vous montre.
Ça te plaît pas? Non, pas trop. T'as pas l'air ravi, hein? Je ne sais pas qui est par contre, j'ai peur, mais franchement, c'est trop bon. J'aurais dû mettre des petits gants comme ça parce que par là c'est pas illuminé ce soir et sinon on la verra pas. Je pense que je vais peut-être mettre. Oh, il va faire chaud et tout. Je vous montre un peu plus près, mais je pense que je vous remontrerai ce soir en fait quand ce sera allumé parce que là comme ça rend rien et en caméra je trouve ça rend plus cheap qu'est-ce que c'est en vrai. Et elle bouge en fait, elle fait du bruit, mais elle est tellement bruyante que je l'allume pas. J'aurais bien aimé faire
Oui, faire un truc sur ma table basse, mais je sais pas trop quoi faire parce qu'en plus c'est chiant parce que vu qu'on mange sur cette table basse, après je veux que ce soit facile en fait, quelque chose de facile à enlever pour que je puisse nettoyer parce que sinon après ça limite elle se prenne par exemple si vous mettez des faux sols d'araignée et tout, enfin après c'est dégueulasse, c'est pas la peine, j'enlève tout donc faut que je trouve un truc assez simple à faire là sur la table basse. Donc là, parce que je mettrais une chandelle noire juste ici. Mais du coup, finalement, j'ai quand même mis une toile d'araignée. On verra si j'ai ça au bout de 2 jours. J'ai terminé, j'ai fait une petite pause entre deux. Je vais vous montrer là ce que ça donne 2 jours. Et j'essaierai aussi de vous montrer ce que ça donne de nuit, parce que du coup, c'est 2 ambiances. Donc du coup, là, j'ai fait avec ce que j'avais acheté l'année dernière. Mais je sais pas si je vais rajouter des trucs. Après, j'ai l'impression que c'est pas fou. Il y a des décorations dans ma tête qui rendait mieux et là qui rend un peu cheap, enfin voilà, je suis pas fan à 100%, mais j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Alors du coup je vais vous montrer 2 jours et puis après 2 nuits. Donc du coup là vous l'aviez déjà vu tout à l'heure, mais du coup ça fait vraiment un peu plus automne. Donc là le Mr. Jack qui est ici, donc lui il est à l'année ici. C'est une décoration que j'avais achetée chez Disneyland Paris. Et il s'allume. Et là, il y a le nez qui éclaire normalement. Donc ensuite, les branches comme ça viennent de chez Action. Les petites guirlandes champignons Action. Et les champignons aussi d'ailleurs. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, voici ce que ça donne pour la table basse. J'avais dit que je mettrais pas de toile d'araignée, mais vraiment ça rajoute vraiment un truc. Donc je les ai mis. Donc ici on a un téléphone qui vient de chez La Farfouille, je pense. Ça c'est une bougie tas de mort que j'avais déjà et qui me vient d'une des box des dryades. Derrière ça va être une petite déco, je pense, Action. Ma bougie My Jolly Candle, même si je n'achète plus ce genre de bougie parce que clairement c'est pas bon du tout pour la santé, bah celle que j'ai je les termine comme bah, je vais pas les jeter. Puis elle était sur ma table basse de base, et puis vu qu'elle choquait pas trop dans la déco je l'ai laissée. Ensuite on a cette petite jarre de poison
qui vient de chez La Farfouille aussi, je crois, mais celle-ci, vous pouvez la trouver partout. Et ici, on a un vieux chandelier que j'avais acheté en brocante. Il faut que je mette une chandelle noire dessus, j'en ai, mais il faut que je les retrouve. Donc, voilà. Ensuite, juste là-bas, j'ai juste accroché ça. Vraiment, le cadre, il fait cheap de ouf. Et je sais pas si vous verrez, mais en fait, quand on bouge, il se transforme en un genre de squelette. Et quand on se remet bien, on revoit son vrai visage de quand il était vivant. Voilà. Ensuite, juste ici, il y a la sorcière que vous avez déjà vue tout à l'heure, qui sera mieux de nuit. Ici, il me restait des décos, donc je les ai mis comme ça parmi mes plantes, mais rien d'exceptionnel. Ça va être la farfouille, la guirlande d'araignée, c'est action. Mais vraiment, de nuit, ça fait mieux. Là, il y a pareil, le... Lui, je l'aime bien. C'était la farfouille aussi. Il s'allume aussi. Et la petite maison qu'on a action. Rien d'exceptionnel. En plus, elle fait trop de bruit. Là, ici, il me restait juste une petite guirlande comme ça. Une guirlande, non, pas du tout, une branche. Donc, je l'ai mis là. Mais oui, j'ai toujours pas recollé la tête de la statue, mais je pense que je la recollerai pas. Cette tête est juste là à côté. Voilà. Et ensuite, bon, avec le vélo derrière, c'est pas ouf, mais voilà ce que ça donne pour la table. La télé, elle s'allume. Normalement, si dès qu'elle ressent un coup, voilà, elle s'allume. Vraiment de nuit, ce sera beaucoup mieux. Juste là, j'ai accroché cette main ici. Ici, vous avez des petites citrouilles et là, les deux petites boîtes cercueil que j'aime beaucoup. C'est assez simple. Et ensuite, il me restait cette déco que je suis plus très très fan. Donc, je l'ai mis là dans ma cuisine et c'est pour mettre tout ce qui est oignons, échalotes, etc. Donc, j'ai tout mis là-dedans. Mais qu'est-ce que ça fait? Il y a des sucettes avec les échalotes.